Édouard Philippe a par ailleurs prévenu à propos des vacances. Réserver une maison, une place de camping, un hôtel au mois de juillet ou en août en France ou à l'étranger paraît un peu déraisonnable. Une petite phrase qui inquiète Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Il y a 20 millions de Français qui ne partent qu'en été. Se dire, même pour des raisons sanitaires, qu'ils vont rester dans les villes, on sait ce que ça va donner. Ça va donner des parcs surchargés, ça va donner des quais de Seine à Paris surchargés. Notre pays a largement et l'espace et une diversité de territoires pour pouvoir répartir la population de vacanciers, sachant que cette année, nous n'aurons pas les 17 millions d'étrangers qui étaient venus l'an passé et que bon nombre de nos concitoyens décideront de différer ou carrément d'annuler leurs vacances. Alors, à l'étranger,